Bonjour tout le monde, on est chez Ezinri ici, on fait des perruques sur mesure. Exactement. Voilà. C'est pas que destiné aux Renois ou aux Métis, même Kim Kardashian, il me semble qu'elle en met, Kylie Jenner, etc. En fait, je veux changer de coupe. J'ai toujours voulu faire une frange ou plein de trucs comme ça, mais après, dès que j'arrive chez le coiffeur, je dis « Ah non, bah désolé, laisse tomber, on va refaire. » Voilà, comme ça, tout est dans la nuque. Ok, d'accord. Ah oui, là, tout est en bas. Ouais, ok. En haut, rien. Il faut qu'il y ait rien, tu vois, juste ici. Ouais. Non. Sinon, ça se voit. Tu tiens là, comme ça, moi, je peux tout montrer après. Voilà. Et la raie, tu l'as mis de n'importe quel côté ? N'importe, tu l'as fait où tu veux. Hein. Là, tu vois. C'est comme un nain, faux crâne. Ok. Waouh. À base, je voulais qu'elle fasse voilà, une coupe très mode comme ça. Ouais. Mais voilà. Qu'est-ce que t'as dit ? Mais j'ai l'impression que c'est mes cheveux et. J'adore. Un peu. On arrive à un effet là bientôt. Incroyable. Donc voilà, je tiens la caméra pour que vous voyez vraiment le rendu. Voilà, la dentelle n'a pas encore été coupée. Donc, voilà. Donc là, les racines ont été faites. Vous allez voir, ses sourcils sont bien bruns. Et le platine. Voilà. Siempre a mi lado, siempre a mi lado, te quiero a mi lado, que esta noche me despierto. Et voilà le résultat. Et du coup là Rosier m'a dit que c'était un petit peu gonflé, mais ça va tout seul se mettre tout seul se mettre en place. Je peux changer de raie comme je veux, je peux la mettre là au milieu, bah voilà, c'est tout, c'est parfait quoi. Et en plus ils sont tout doux et j'adore, honnêtement. Vous imaginez si vous pouvez changer de coupe de cheveux, de couleur tous les jours sans abîmer vos propres cheveux. Et là c'est indétectable, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est juste indétectable, c'est juste magnifique. Voilà, j'adore. Merci Rodi. À mon avis, je ferais carrément une perruque noire, lisse. Comme ça, je ne me lisserais pas mes cheveux bouclés. Mm-hmm. Et je ne les abîmerais pas. Et comme ça, vous pouvez avoir des longs cheveux. Alors, c'est pas collé parce que je ne veux pas que ça soit collé. Parce que j'ai envie de pouvoir l'enlever tout quand je veux et pour dormir, etc. Donc, c'est ça en fait l'avantage que ça ne soit pas collé. Exactement, ouais. Moi je connais mes copines, etc. Elles vont venir et elles vont me faire, mais qu'est-ce que t'as fait, tu vois? Elles vont essayer de tirer. Vous voyez là, je fais pas la mytho, je tire vraiment sur mes cheveux et j'ai pas l'impression que ça part ou quoi que ce soit. Non, franchement, faut vraiment. Même de derrière. Voilà. C'est pour ça que je dis vraiment, si quelqu'un t'en veut dans ce pays, ne mets pas de perruque. Oui, voilà, si vous voulez aller vous fighter, faire Bad Girls Club. C'est ça, faut des perruques. Voilà. Faites-vous une natte collée, quoi. Mais... Non mais attends, c'est vrai. Bon, voilà. En gros, si vous avez une front... c'est quoi déjà? Lace wig. Soyez classe. Et t'inquiète pas que... Moi j'ai l'impression qu'elle va pas bouger. Non mais elle est calée là. Vous voyez? C'est ça. Attends, pourquoi vous voulez vous teindre les cheveux et vous abîmer vos propres cheveux alors que vous pouvez changer de coupe en tout le temps? Toi, les dégâts pour un blond. Un blond comme ça, c'est clair. C'est mort, enfin. Ouais, trop bien. Et du coup, son salon, il est situé en plus en plein centre de Paris, rue Saint-Honoré. Franchement, j'adore. Voilà. Salut tout le monde et peut-être à la prochaine Lace Wig. Donc voilà, je vous montre en selfie parce que je pense que ça vous donne une idée un peu plus concrète du résultat de lumière. Donc là, vous voyez, je suis partie dans le très blond platine hein, parce que de toute façon, vu que c'était pas sur mes cheveux, j'ai osé et je suis très satisfaite.
Donc là, on a un carré simple et c'est un petit peu ici dégradé plongeant. Donc en plus, c'est une coiffeuse, elle s'est coupée les cheveux, elle vous fait n'importe quelle coupe en même temps sur votre lace wig. Maintenant, j'aimerais bien voir la réaction, on va voir la réaction de, ma mère et mon frère quand ils vont voir que j'arrive en blonde et on va voir ce qu'ils disent. Ils vont voir. Merde. T'as fait des couleurs? T'aimes bien ou pas? Mais moi. Quoi? C'est quoi ça? T'aimes bien ou pas? Non mais t'es malade? T'es malade, Stéphanie? Mais c'est parce que c'est la Fashion Week, maman. Et je les ai coupés courts. Yeah. Ça va? Oh là là. Si tu fais de la photo et tout ça, on peut pas mettre des perruques? Si on peut, mais les perruques, ça se voit trop. C'est une perruque. C'est une perruque, maman. T'arrives pas à voir? Indétectable, non? Tu penses vraiment que j'aurais coupé mes cheveux comme ça? Mais ça se voit pas, hein? Non. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est ça. Si vous voulez changer de couleur, ou peut-être même avant de changer de couleur, vous n'êtes pas sûr d'une couleur, pourquoi pas tenter une perruque? Moi, je suis...